Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mercredi 11 octobre 2023, bonjour Libakwa Kolanda Bisso, merci na confiance, fidélité na bino, confiance au bozo kokoba ko renouvelé Bisso partout à travers le monde, mbote pe boye bola mona manaka ya pona Congo ya mokolo. Ya lelo na basango le CESAC interdit tout le média y compris la RTNC de traiter de sujets et entrer à la campagne électorale prématurée conduite par le président Christian Bossembe. Les membres du bureau du CESAC ont visité le studio Maman Ngebi de la RTNC en vue de l'organisation dans le jour qui vient de la soirée du tirage au sort de l'enregistrement des émissions programme de candidat au président de la République. De nouveau affrontement signalé ce mercredi matin dans le Biroua en territoire de Routour, rapporte nos sources dans la zone qui disent que le M23 s'affronte au Ouazalendo. Le même source affirme que le résistant a pris le contrôle de plusieurs autres villages. Il faut dire que Nangambonabango et Fardese Bazali Kotalisa que Bango Bazali Koko Bako respecté. C'est les faits où ils allaient bongo faille de route où ils allaient qui signaient kuna na Luanda. Bayimboka mingi bazali ko senga été gouvernement et ba bongo ko soutenir ba groupe ya ba autodéfense où ya mboka na biso ba na ki ya mboka où ba telemi baza révolté pour na ko récupérer ma belle na biso. Est-ce que ils allaient légal toté? Est-ce qu'il faut le faire parce que tout c'est même à Rome pour encore récupérer ma béné Nabisso. C'est la question qu'on se pose ce matin, la question de la campagne prématurée interdite par le CESAC Naba Media Nyonso Koboya Ko publié ba numéro ba affiche nyon sezo kende na ngambo ya ko sala campagne électorale. C'est ça qu'a boy même na ba réseaux sociaux, faut le dire que c'est ça que a télémeli li kambeta li ba insulte entre ba militants to partager ba idée mais to partager bongo ba insulte te to partager bongo makanisi pona ko to ngambo ka. C'est vrai que to koyi ko yo kanate sur un point de au sur point de vue à baï qui peut bas sous soumettre au coquille co sanganana ou étali bongo baïdé nion so et ali ponamboka ceux qui solo et anion so ponamboka et sengeli ko sala yango malamu pour que bana Congo pe Congo et bénéficier na boye. C'est ça kalobi a cause à la vraiment à ta na mawamo côté ya ko frappé tango ko senga pona baï que au basali ko utiliser ma réseaux sociaux pona ko finga pe na ko bebisa bongo mboka na biso na ba o ezali ba anti valeur voilà pona Congo ya lelo to kolobela bongo deux sujets na oti kolobela ngo sujet ya ba force d'autodéfense ezali ko bunda tongo pokwa pona ko récupérer ma bien na biso pe deuxième sujet na biso ekozala bongo sur la question ya processus électoral 24 candidats est-ce que l'opposition est dispersée, est-ce que l'opposition va se rendre
ensemble autour de qui, autour des idées, autour de d'une personne. Tozali bongo na tongo lelo nande ko Sarah Sombe azali moko ya bayi politique ya mboka na biso mona mboka ko deja ko rejoindre biso ndeko Sarah mbote pe boyebola mbote mingi mona mboka Naomi. Apesi mbote na balandi nyoso bazolanda biso na ndako epi na bandeko o bazana sima ya pona ko permettre ete ba image na biso epi ba information to ko pesa ekomela bongo ba kongomani o nyoso bazana ndako. Très bien, vous avez un candidat président, Yebaki Bongo Ndeko Jean-Claude Bayende, ou Yebaki Bongo déposé candidature, vous avez soutenu. Déjà, pourquoi étant que jeune, vous avez soutenu, est-ce que vous avez remporté ma pronomie, est-ce que vous avez remporté ma pronomie? Moi, je suis Naomi, Oyebi Jean-Claude Bayende, Azaki déjà une fois responsable à une partie. Il y a la République démocratique du Congo. Je signale peut-être pour la bateau au monsieur Soubayébité que Jean-Claude Bayendazaki gouvernait la province à l'Équateur. Alors, pendant règne naé, pendant Kazaki Kokamba, je pense que l'élo au Soko Kena Équateur, au Kena Mbandaka, Jean-Claude Bayende Azali, le meilleur élu. Il y a province à l'Équateur ou encore à Mbandaka. Et je pense que Ezapo n'a pas mbatté ceux qui. Peuple, population, au hasard, bon, na Mbandaka, azo continue toujours ko renouveler confiance na ye, et pas à Jean-Claude Bayende. C'est parce que pendant tant na ye a ko géré, il avait bien géré et puis il a laissé des traces au réseau salaire de Tilelo Oyo. Ba Congoman au Bazali bon la province équateur ba kokabon na ko soutenir ye. Alors comment na ngai ko soutenir ye eza aussi eza ko dépendre par rapport ya gestion na ye. Et je pense que le lenge ya malamu o ya kambaki province à Équateur, Ezako Lakisabiso était une fois à commis président de la République à Kokambape Malamu, le Lenge Oyo, à Salaki, na la province à Équateur. Donc, je dirais ici, c'est par rapport à sa vision, par rapport à un projet où Eza tellement clair à Zanango, né et Sali et Tengai, na Kokabongo, ko soutenir. Très bien, merci beaucoup. Tout ça, maître Nathanaël Omokonda, je du mal à prononcer, c'est purement congolais. Ndeko Koki rejoindre Bisso, piste pour l'émergence, parti cher, il y a Monambo Kasset Kikuni, Moko Yabayi, candidat à président de la République, Monambo Kambo Tepe Bole Bola. Mbote maman Naomi, Mbote Pena, co-débatteur Nangaï, puis Bakongoman Ignace Vazolanda Bisso. Souhaitez na moi si ma tango poète politique y a été là et zanan malamouté amouté à jetondi Kinshasa Mobimba. Donc, et c'est un gestondi moté ma poète n'a bien été l'oba kongomani balingi baeba pour la nini mon amboka set qui kounia postile pour la nini tout ça à peto koyano na mituna nyonso ou bakoutou na bisou. Déjà aux alliés lingue baïke bazalara simeba combo boe ou bazo soutenir pourquoi qu'on soutenir set qui kouni alors que azalaki candidat en 2018 pendant ces temps on a peto kaki et l'issouté du coup azongi en 2023 comment est-ce que pourquoi vous salez confiance personnellement d'abord azalaki azali soussouté azongi en 2023. Phrase ou négoce à la bonté. Fallait que l'on abandonne qui, mon salaire en 2018, à Kobi qui en 2023. Parce que moi, dans mon cassette qui kuni, tout lundi était pour la combo, tout lundi était pour la nion soit bagoué, tout lundi là-bas, tout lundi est pour la idéologie. Pambate, il y a un porteur, il y a idéologie, puis vision, où tout le monde est clair, vision, où il y a un corps, coco, tu sais, mon cannabis, au 21e siècle. Alors, moi, dans mon cassette qui kuni, ensemble, naïe, tu recoutes en boka au 21e siècle. Depuis 2018, tu as l'air que ça, la moussa, l'air qu'on implanté réseau, piste pour l'émergence. Piste, ils ont la partie kakate, mais ils ont réseau. Au-delà, ils ont la partie, ils ont réseau, c'est-à-dire système de vie, système d'action, politique du terrain, auto sali et longo na bilingue, y a auto moniété et c'est ngeli to koba na yango na simaya mon amboka set qui coule. Très actif sur les réseaux sociaux, mais sur terrain penza migete kongomani aza kolandanga ine. J'espère que va contredire ngate, il n'était pas présent pendant ces 5 dernières années. Il aurait Naomi, être sur terrain, actif sur le terrain, il n'y a pas de être actif sur le terrain, accompagner la population, on tout le monde à Bandeko Fayoulou, on tout le monde à Bandeko Moussousou, on tout le monde à Bandeko Matata, Bandeko Moïse Katumbi, Pébé Misousou. On est tout le monde à Bandeko Moussousou, on est tout le monde à Bandeko Moussousou. Donc, être actif sur le terrain, il faut ça un meeting.
foko benga kopesa batu mbongo baya batonda peuple congolais ou bien population congolaise estimation en motoza au-delà à 120 millions. Alors ceux qui m'ont à réunir 500 personnes, 5000 personnes, des actifs sur terrain, il y a on a bâti les bosso piste des réseaux. Réseau tous autres travailler le la réseau, c'est-à-dire politique nabisso ezako convaincre par les cœurs. On a été avec cette population depuis 2018. Les lots partis politiques bat bamoni botami les lots c'est botamakala tous à communion, on a été sur le terrain. Tous à la nambanda comme on a ba image tolobe lango. Non, parce que biso autres tous ça les ate pour tout ba mona que tous à nabatu. Mais tous ça la pour tout changer, toi pour toi imprimer politique. Donc koloba été cette qui est actif sur le réseau, sur le terrain, ce batu pour na bango. Koza la sur terrain eza ko tondi sabato ko benga batu pona ba meeting wana seke toza na conception msusiroza sur terrain pona biso koza la na terrain eza kaka ko répondre na batante ta population ko pesa bango ici de secours au biso tozo sala pour le lot réseau piste pour l'émergence eza réseau morop eza sunga ba jeunes entrepreneurs rebelle to na ba projet ya ba jeunes entrepreneurs tozo financer réseau piste to le bilaka ya moté pan baté biso to yé na politique pour bomo na biso té to yé na politique pour na ko répondre na besoin Oyo les alliés. Koloba on de kosetz ki kouni aza politique te aza entrepreneur, mais la politique, de par sa définition, c'est l'art de gérer. Un entrepreneur, c'est derrière, aza moutou oyo, agira ka déjà. Pour le kwa liboso ou entrepreneur, aza anan an moutema, aza sécurité aba bien aye. Ce qui moutou yabi ko bati la ba bien aye, a ko bati la Congo. Pour pambate yabi ke Congo, aza ko la bien commun, a ko bati lango. Donc, cette qui kouni entrepreneur, aza politicien te, même question ni ko zala pose te. Parce que aza entrepreneur, a yabi ko gérer les biens privés, il peut aussi gérer le bien public. Il peut aussi gérer la RDC. Il va gérer la RDC. Très bien, merci. Merci beaucoup, Bozola Ndabiso, partout à travers le monde, depuis Kasumbalesa. Merci, Mingi, pour Nakokome Nabiso. Tout ça, vraiment, Elongo Nabino. Actuellement, la RDC a une bonne diplomatie sécuritaire. Merci, Mwanamboka, Congo Nabiso. En tout cas, merci, Mingi, Bozola Ndabiso, Nalibanda, Topena, Katiamboka, Matondo, Mingi, Toza, Elongo Nabino, Toza, Nabilenge. Sur ces plateaux, Bazo soutenir, Baike, ba politique, pour Nalikambeta, Libongo, besoin commun. Ezali Bongo Mboka en Abisso, notre mère patrie. Alors, tous les gens qui ont été aux Anabisso et Longo, Awa, on dit vraiment, Bandeko Bazali révolté, groupe d'autodéfense, ou Bazali Bongo récupéré, ma bien Abisso, ou dans la Est, Rapmokati du Congo, les Kanisnu, les années, lecture, les années, est-ce qu'il faut le gouvernement Pesa Bongo Makasi, est-ce qu'il faut encourager ces jeunes, ou Bazali Kobundi, ma bien Abisso, comment est-ce que yo personnellement, Ozali Kotangali Kamboyango, étant que politique, moi je pense que jeune congolais plutôt azana intérêt wana ya kobundela mboka na ye parce que déjà au départ l'État nous a donné l'impression qu'il n'avait plus de force pour pouvoir éradiquer cette insécurité là où lelo za ko régner na kati ya République démocratique du Congo poto lobela kaka te na est du pays parce que aujourd'hui l'insécurité a pris de l'ampleur, c'est un peu partout dans la République et insécurité za ko régner. Moi je pense que za likanisa malam parce que je ne pense pas que ce qui moutou a sali a pesi confiance parce que par exemple on a voté le président de la République. Le président de la République est le garant de la nation. Normalement yende il fallait qui a assuré sécurité à peuple congolais na ba bien aï. Mais ils nous ont donné l'impression que bakoka ki na bango le sousouté. Heureusement il leur a impression. Non, non, impression, c'est-à-dire que ça a été... Moussala FRDC, ça les marins à la télévision. Ça a été, voilà. Moussala RDC, il y a FRDC plutôt dans le Tugoloba, et ça les marins à la télévision. Mais le résultat, il faut être palpable. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on doit dire ici, depuis que les chefs de l'État avaient décrété l'état de siège, qu'est-ce que ça a donné comme résultat aux Aki Bongo en faveur du peuple congolais? Moi, je le dis toujours, chaque jour, qu'aujourd'hui, nous avons une république dans une autre. Pourquoi? Parce que le président de la République, Alobaki Nabiso, était ceux qui a arrivé pour éradiquer l'insécurité dans l'Est et le pays, à quoi se sentir jamais la peau naïe tant que président de la République. Alors, à ce stade ici, la population a sepeli, a zoa relève, mais c'est l'État a la kisibiso faiblesse naïe, a la kisibiso limite naïe. Moi, je pense que le Congo aujourd'hui, les Akosien a été, biso pe ba jeune, tout prendre conscience, tout prendre, en fait, qu'on arrive à prendre les choses en main, parce que apparemment, aux alliés locaux, la banne habitique, Congo, les alliés locaux, mboka, mboka, aux alliés habitique, ils ont la bakambite.
Parce que ceux qui bakambi bazalaki, nde bande kona biso bazoku fete chaque jour. On reconnaître mes forts, il y a chef de l'État té, ba effort DJ armé, ba effort Micholo. C'est insignifiant madame Naomi, c'est insignifiant. Mais depuis qu'ils ont commencé, vous savez, le problème c'est pas seulement certainement ko bakisa budget ko bakisa Micholo. Ça joue et aussi ils ont un rôle moko ya munene. Pour l'épanouissement de l'armée Nabissou. Mais est-ce que le renforcement de la capacité est aussi au niveau de la formation? Formation, c'est ça. Recrutement, oui. Mais est-ce que même le recrutement, ça a été sur quel, je vais dire, critère? Ils ont recruté sur quel critère? Ezaki kana lo lenge moko ya ke non boya to recruter ba tout bien ezaki na ba critère il y avait ba lok o ba imposé comme critère avant de la recruter il faut zalabo. Aujourd'hui parler de l'armée, moi je l'ai toujours dit, la FRDC eza armée moko o eza faible. Le problème ici c'est que le pays n'a pas pu bien manager ba soldats na biso parce que ils sont délaissés. Même place de Bazali, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a un militaire congolais qui gagne 1 million de francs congolais. Je ne pense pas. Je pense que ce matin, je viendrai avec des preuves ou encore des confirmations. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y a un militaire aujourd'hui au Azana Front ou Bafoutara. Bazofoutaï 1 million de francs congolais. Maintenant, il sera motivé pour Bundela Mboka sur base de quoi? Quelqu'un qui va accueillir pour Bundela Mboka, qui laisse sa famille ici, même pas la place à Malonga ou Fanda. Pour Bomba Bana, il faut battre Mabaya. Est-ce que le président de la République a couru Fanda dans la carte de ou bas militaire? Tout le monde est un seul militaire à Bongiseli Bango. Et ça n'a tonné. On ne refuse pas, mais madame, ce n'est pas. S'il faut réformer l'armée, ce n'est pas encore suffisant. Et moi, je pense qu'à ce stade ici, le président de la République, déjà, à la question de la limite, il n'avait pas, à ce qui est la politique sécuritaire à mon côté pour pouvoir soutenir ou encore pour pouvoir sécuriser. Et vous encouragez les Wazalendo à travailler. Moi, je pense que si la population congolaise doit se décider, va se prendre en charge pour la sécurité na Bango, parce qu'ils sont orphelins, l'État n'existe pas. Moi, je l'ai dit, je me pose toujours des questions si l'État est incarcéré quelque part. Non, il n'existe pas. Il est là. Madame Naomi, s'il vous plaît, observez juste la manière dont Totambola na Banzela. Vous verrez qu'il y a absence totale de l'autorité de l'État. Zwana otaba mituka, parce que le lobby n'a rien à zala aate. Mais na ba condition ni. Vous verrez, il y a un policier qui est à côté, mais Moutouke Zobalouka a la place où il a prévu pour Moutouke Balouka. Ou soit stationné à Bistika où il a arrêt de Bistika. Mais il y a un policier qui représente l'État, qui est incapable d'agir parce qu'il est faible. Il a un état de faiblesse. État de faiblesse, on a ezobanda depuis na mutu parce que mbisi abanda kopola na mutu. Très bien. Merci beaucoup Mwalamboka Ndeko Nathanaël. La question de Wazalendo à l'est du pays, apparemment ils ont aussi cas par rapport à Bijan et Kinshasa, mais à partir en autre partie à RDC, Tokoyo Kolobelango étant que jeune, vous encouragez mouvement, il y a Bandeko ana ko récupérer ba parti, il y a ba territoire na Bisho. Est-ce que le gouvernement peut soutenir Bango le Kola Bino peut besoin la candidat président dans le modèle Nabino, il y a gestion de programme Nabino sur le plan sécuritaire et cause à la Solonie. Bon, non, nous avons passé dans le thème, dans le barango, sous régime adamique au Tozali, ils ont la richesse à Sika, à découvrir ou te découvrir. Richesse, ouana, dans le barango, ils ont orté, ils ont diamanté, ils ont myrté, ils ont uranium, ni cobalt, mais. Richesse wana eza makila ya bakongole. Makila bakongole le lieu koma richesse na mboka na biso. Ça coule des litres et des litres. Tangaka. Batu msusu bayoka ka esengo. Ba msusu ba se procura la paix. Ba msusu. Il minimise même il y a 50 morts, 70 morts. La situation de l'Est nous a toujours préoccupé biso. La piste août à 2018. Quand bien même le gouvernement en place et Iba. Plus ou moins 4 projets Nabisso, tous les ans, on a projet de société Nabisso. Tout le monde a dit que tout le monde a été en campagne Nabisso na Beni en 2018. Tout le monde a été en campagne na Beni. Et après ça, tout le monde a été qui tente aux ala Eli, tout le base militaire, commandement général aux ala Beni, na Est. Nabisso n'est tout le monde a été en campagne. Puis tout le monde a été en campagne politique, il y a armée, armée et institution, où il y a eu aux ala jamais politisé.
peut-être le baral sous tobi armée photo comme ça en société pour armée ça la rend société en gomoko. Mais fort malheureusement aujourd'hui tout monique absence non état ezali parce que tous vivre dans état morobo état gendarme rôle ba état morobo izo ko assimé ba fonction en ndenge sengité les lobat baso c'est même honteux. Il y a Robete la Bawazalendo Maboko, le gouvernement, pas au Azomo, on peut normal. Non, non. La population a cédé sa souveraineté pour que vous puissiez lui garantir la sécurité. A PC souveraineté n'est conformément à l'article 5 de la Constitution, enfin que Bino doit assurer protection. Mais quand vous protection, il y a peuple et moi comme quoi assurer, ça devient un danger. Et vous voyez les Wazalendo, Baye, Babotoli territoire, FRD Sahena Sima, ça la discours. Après, on a souka n'a pas chef de l'État. Donc, ça montre que là où les FRDC échouent, le peuple peut faire mieux. Et qui commande les FRDC? Ceux qui commandent les FRDC, c'est le commandant suprême. Il faut rappeler que les FRDC a soumis n'a fait des routes à Londres, ils arrivent au CNRSC, le fait. Ah, FRDC. Ou à quoi qu'il violette. Ah oui, qu'il violette. Vous savez, la diplomatie est faite pour ceux qui sont forts. Et celui qui négocie est toujours celui qui est faible. On t'attaque, on te tue, on massacre dans ta maison, tu observes les cessez-les-faits. N'est-ce pas qu'il y a une tante à Luanda? C'est le Congo, non? Est-ce que nous étions obligés de partir? Vous avez vu la réplique d'Israël vis-à-vis à la Palestine? Mais bon, droit de l'homme, ils ont raté. C'est l'ultimatum qui va massacrer même les civils. Mon réaction à l'État, de Babi Bazo réagir. Ils n'ont pas besoin de EACA en observation. Bana posate autant qu'une observation. C'est ça l'État. Et nous avons compris avec ces régimes adamiques, ces régimes des frappeurs, qu'en réalité, ils ne peuvent en aucun cas assumer la sécurité de toute entièreté de la population congolaise. Pendeto Kendeboué, surtout ça l'État RR. Et que Bateau, Bakumba Milisusu. Tout ça, maman a problème parce qu'on risque dans 2 345 000 km², tout comme maintenant 1 million à Pamba parce qu'ils sont là simplement pour se divertir et non pour assurer la sécurité de l'État. Vous pensez qu'il faut que le gouvernement a Bakissa Monsolo pour soutenir Baïke Wazani Lopuna Rosala, Monsala Bazaï Kosala déjà? Kokanissa était ce gouvernement, il faut abakisser là-bas, on mis Solo Basala, mais. Et l'aura au sala minute. Soit à soutenir Bango. Et l'aura au sala minute, ils auront mon corps. Bisson des peuples photo, ils sont en charge des Babazalins de Babandi. Puis l'aura au sala, ils auront Kolongo la pouvoir ou une place. Pas maté balaxi en capacité na Bango. Kolongo la Bango en place. Kotiamo na Mboka ou au Kambamboka Malampo. Peuple tende Sengeli a mis en charge na Bandeli. Ata tokobeta Maboko sur le plan émotionnel. Mais peuple tende à Kori komi Bunde la Bongo. Peuple a pris sa souveraineté dans un groupe d'individus. Bangonde ba ko au sala elo côté. Baba tsila ba wazale do mbongo, ba wazale do to ba tsila mbongo lelo. Bangonde ba benga maki bango ba drogué non? Bangonde ba benga maki ba ta sec. Est-ce que bazar moko bazara ki na goma? Est-ce que tous les groupes mosusu? Non 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 madame. Comment distinguer justement? Comment les identifier? Et comment maintenant aujourd'hui identifier que ce sont des patriotes? Parce que ils ne sont pas amusés d'identifier les drogués. C'est des sectes. Et pourquoi aujourd'hui ils identifient qu'ils sont des patriotes? C'est l'absurdité. Parce que les autres là-bas, bah, on n'a plus qu'à revendiquer pour na, même cas au Bango Bazo Salalelo. Donc moi je pense que serrons nos ceintures, le 20 décembre c'est plus longtemps, on va réagir et notre réaction serait de chasser ces pouvoirs politiques, d'installer les autorités qui ont non seulement le cœur, non seulement l'âme, mais qui ont la volonté et l'expérience de servir ces pays. Il faut signaler que guerre outil depuis plus d'une décennie, alors plus de 2 décennies d'ailleurs. Alors ce n'est pas Félix Tshisekedi dire oh là tu as chapouni, il faut être réaliste quand même. Maman Naomi, oui, le président de la République va voter sur base d'un mandat, sur base d'un projet, d'un programme politique. Ce n'est pas pour rien que nous avons préparé un projet de société ou programme politique. C'est ça. Vous allez, on va vous appeler pour parler de ça. Je crois bien la semaine prochaine, je vais vous communiquer là-dessus. Mais il faut comprendre que sur base, il y a projet de société. Et M. Félix, ce qui a été voté sur ça, il parlait des piliers. Et parmi ces piliers, il y avait la sécurité. Parce qu'il faut vous dire, est-ce qu'on a pilier na ewana la sécurité? A salé li li kambo et senga ki a sal. A salité. A kouki, même pas 1% na oua la ka ki a sali. Mais pourquoi moutaboué,
autre peut ça un premier mandat et un deuxième mandat. Ça n'a pas de sens. Donc voilà pourquoi moi je pense que on ne peut pas planifier dans le régime adamique. Et en yonso, il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais il y a Fifi Masuko qui a inauguré. Il y a pendant combien d'années? Il y a depuis Kabila, Kabila Mtala Saint-Pierre inaugural. Mais pendant qu'on inaugure, pourquoi il y a s'accaparé dans haut? Parce qu'il y a des gens qui est vraiment bien. Mais ce qui est qui y a ma bien, non, c'est le passé. Non, il y a le principe de la continuité de l'État. Et on ne peut pas se dédire à tout moment comme ça. Non, non. S'ils agissent mal, ils sont incompétents de gérer le pays. On a vu ça clairement. Donc, ils doivent partir. Ils vont partir le 20 décembre et nous aurons un nouveau très président. Très bien. Merci beaucoup, mon ami Katozala Ndeko, Eric Bamanaï, maître Eric Bamanaï, qui a déjà rejoindre Busso sur ces plateaux. Mon ami Kambo, TP Boyebola. Konaomi mbote na ba ko débatteur ba yeban soto kutani na bango na plateau oyo bolimbi si surtout pour na retard c'est vrai tozaki na programme a lelo mais moi urgence moke monana ki na kanisa ki bongo kena aussi sango attend mais na si sango attendé bo sing bolimbi si na ba téléspectateur pe na yo moko mbote na mwasi na nga mwana na nga mbote pe na son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbote na ba kongomani banso et surtout na ba wazalendo oyo bazali bongo kuna na est de la République. Bozo félicité bango mo sale zo sale ma opposition lobby qui apparemment ezali défaillance ya l'état ndé sale ki bana mboka bazo relève. Vous savez bateau zo mona baza comme benga opposition yo. Ce sont des gens qui sont dépourvus de discours. Quand il y avait la tuerie, quand il y avait l'occupation, il y a ba territoire na est de la République démocratique du Congo, la responsabilité était sur qui? Sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les stratégies militaires ne doivent pas être, disons, divulguées à la place publique. Donc, les stratégies que notre armée a comme ça, là, donc, il n'appartient pas à ses opposants aux abois. Il faut expliquer ni les salama. Et ça, il y a bangoté. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Il y a une aberration des incongruités. Et je dirais même une façon, il réfléchit dans mon tout, il y a opposant. Les Wazalendo qui sont en train de combattre, sont en train de récupérer notre terre, nos territoires, nos localités. Aujourd'hui, Massissi Nyonso sont récupérés. Qu'est-ce que les Wazalendo disent? Nous demandons maintenant au gouvernement d'envoyer l'armée et les policiers pour venir sécuriser. Donc, cette récupération-là, pour les Ayangote. Qui sont-ils réellement? Wazalendo, Bazaki, Nagoma, To Wazalendo, Moussou, Topeka, Bazaki. Wazalendo, ils sont pluriels. Ok. Oyoki, Nakata, ba groupe, wana, Bazali, moi, ebele, mais ba sangani, ba mi pesi, combo, ya famille, wana, ya ba force autodéfense, ba namboka, ba wazali, ko défendre, ma belé. Vous les identifiez comment? Toyebi Bango. Toyebi Bango, pour Bazaba, Congolais. Ah. Ça, c'est la première des choses. Ils n'ont pas récupéré Kak. Maman, ce sont des Congolais. Ils ne récupèrent pas pour donner aux Rwandais. Nous devons défendre. Qui doivent défendre le Congo? Ce sont les Congolais. Ils ne récupèrent pas pour donner aux Rwandais. Il y a des secrets militaires ici que je ne peux pas dire aux communs des mortels, peut-être qui sont avec moi ici au plateau, sur ce plateau, qui ne savent pas. Je vais vous donner un exemple. Trois camions de tenue militaire ont disparu. Ça, c'est les Rwandais de Bazoloba. Lelo encore Natongo Babi, Bamoni Sukhoi 25. Ils ont survolé Bounagana. Ouais. Armée et lobby, ils ont bisoté. Donc, il y a des gens qui ont bisoté. Rwanda, on pose la question à Kagame et compagnie. Vous avez un RDC, autres ont un RDC, RDF et Zakunate. Ils ont un M23. Donc, vous ne voulez pas comprendre les stratégies militaires. Il ne faut pas dire ça. Il y a un Tongo, on a monté telle stratégie. Donc, Sabino, pour permettre à l'ennemi de riposter, nous ne dirons plus rien. Vous allez comprendre que l'opposition, soi-disant l'opposition ici, c'est du farfelu. Très bien. C'est des gens qui ne sont là qu'au service de Kagame et les Occidentaux. Moussou Yohana Memelibiso Makambo Yakobala, na Milou, na Bobby, na Viski. Merci beaucoup. Tozala Ndeko, Gramiko, le grand Zali journaliste, a coquille déjà qu'on rejoint Bisho sur ces plateaux. Banamboka, merci de réagir sur cette question. Êtes-vous d'accord que le Wazalendo Basala Mossala peut récupérer le territoire Nabisso? Tozala Kinango, témoin Namboka, Mbote, Pebo Ebola. Bonjour, 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 Mbote, Pebo Ebola.
Mbote surtout mingi na président PA CESAC Christian Bosembo na moni ala musi penda secteur wana. C'est vrai que kulutu na biso papa na biso Tito Ndombi azala ki wana sa musala malamu mais sentir une nouvelle énergie et puis makambo zo kende bien. Très bien. Est-ce que vous félicitez le Wazalé Ndondengendeko Eric Bamana yayi de pesa woti koloba banamboka ba force d'autodéfense au bazar remonté bazalé kozwa bomo mabele na biso. Merci beaucoup na maloba au pesinga menon kende pena lumbango ko pesa lungonia na ba Wazalendo o bazali bayimboka baza kubunda pona mabele ya bakoko pona mabele na biso. Pourquoi est-ce que baza kubunda pona mabele na biso mabele ya bakoko? Parce que simplement les pouvoirs en place, les pouvoirs actuels, le régime a échoué complètement et lamentablement. Dans une république, dans un état de droit, ce qui te monie population a commis qu'on se prendre en charge, c'est-à-dire que l'État est en faillite. Ce qui te monie population a commis qu'on se prendre en charge, il a dit que l'État est en faillite. Ouazalendo wana, ou ba traité qui bango, n'a pas terme nyonso. Ou tu retournes à la question, moi, ma lame, n'a pas sepé nan. Ba ou tu ko bouma, ba bouma qui bango, hein? Bouma qui bango, ba bouma qui pena la population. Selon le bilan officiel, je pense que c'est 50-60. Mais selon l'information de la société civile, les experts rébellés, il y a un rapport sur le compte expertise, il y a plus de 100. Mais il y a 300. Il y a un traité qui a un désordre avec tous les termes. Et je n'ai pas vu Batu Oyo, comme il sera pouvoir, condamner Makambouana. Au contraire, ils ont beaucoup plus crucifié. Bawazalendo. Otomona qui n'a pas terme moko très choquant. Et bima qui n'a rubandé l'angote lors ya briefing. Oui, c'est la maquille entre ministre et communication. Patrick Mouya, y'a ministre Nabiso, y'a VPM, y'a intérieur. Peter Kaza dit, tout monde n'a pas propos. Et bima qui. Mais le lot, Bawazalendo, balakis que Bazalaki batoyo, régime azali ko taxé bango de tous les noms et de tous les mots. Le lot, mon na bango moko. Bah, condamné, je pense, à peine de mort ou bien à perpétuité, il y a Bongo Ephraim ici, moi, je pense. Bah, condamné qui a procès au terre, il y a tout, Bendexa qui m'a dit, il y a FRDC et puis na garde républicaine. Pambate moko koutou, il y a un commandant, il y a garde républicaine. Azala qui Bongo a procès, on a habité suite, il y a un peu condamné ou bien dengenini. Mais moi, je suis en train de saluer cette démarche patriotique, il y a Bayimboka pour que Batia Kimia Nesikana, pour l'État a échoué. Il y a toujours un peuple congolais. De la même manière, Wazalendo a se prendre en charge, peuple congolais dans son entièreté, parce que Bikoto, on a moins ébédé, Bissika Moussousou, enrôlement et salamité, surtout dans le territoire où il y a M23, Bazouaki. De la même manière, Wazalendo a se prendre en charge, de la même manière, peuple congolais, Nyo Soaza Koulandabissou, le 20 décembre, Sengeli a se prendre en charge pour que a changé. À venir naé parce que tu constatais avec ce régime rien ne pourrait changer. Bah j'ai déjà 5 ans, bah ça le roté avec 5 ans de plus, je ne vois rien. Eh ben, le président parle de la renaissance, du développement et de la crédibilité. Je suis je serais très mal à l'aise et très mal placé de citer certains noms simplement parce que de l'autre, quand ils ont cette latitude de citer des noms, d'aller même plus loin, de qualifier. Mais nous autres, nous avons, Otobengaka, n'a évité ces désavantages. Si on cite les noms, on nous colle faux bruit, on nous colle imputation dommageable, on nous colle offense ou bien outrage aux institutions, offense au chef de l'État, outrage. Bissot, problème, on ne peut pas citer des noms. Mais de l'autre, quand. Je ne sais pas, je pourrais parler en termes, il y a candidat, président de la République, ou bien il y a institution. Parce que c'est de là même la confusion. Parce que si on serait en train de traiter tous les candidats sur les mêmes pieds d'égalité, ce serait une autre chose. Une chose. Et si tu as dit que M. Soubaza va cambier à l'institution, M. Soubaza va candidater aux autres choses.
Tant que l'obéli Kamboua, non, l'obéli Kamboua, Renaissance, je pose d'abord la question. Dans quel pays sérieux où on pourrait placer la crédibilité dans une vision politique? La crédibilité n'est qu'une conséquence. Il y a vision politique, moro songolo. Il y a l'oko la maman nana nominé on sabo. Au reko l'obate que vision na yo, pon émission na yo, et ça que émission n'est comme crédible. Là, ce n'est pas la vision, non. Vision n'est signé en haut l'émission bien. C'est-à-dire, on y a un babé invité bien, on prépare matière na yo, autant là. Ceux qui ont bandit qu'on prépare matière na yo bien, on y a un babé invité bien, automatiquement, crédibilité est royale. Mais quand un pays comme la RDC, un régime, c'est présent pour dire que non, moi, ma vision, c'est la crédibilité. Je me pose des questions, je me dis qu'on a un sérieux problème. Plus loin encore, un programme. Le régime parle d'un programme. Notre programme est à résumer dans trois piliers, Renaissance, développement et crédibilité. Je me pose la question si réellement nous avions des intellectuels dans ces pays. Je comprends que nous avons un sérieux problème pour ne pas parler à défaut d'emprunter les termes illettrisme conceptuel. Je pourrais dire que ce sont vraiment des hérésies. C'est-à-dire quoi? Un programme, c'est un plan d'action aux espaces spatio-temporels, limité dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, dans un programme, il ne faut pas éviter tout ça, action au na tel moment, na tel moment. Mais quand un monsieur, ou soit un régime, dit que non, programme n'a pas éviter ça, trois piliers. Je me pose la question, je me dis, est-ce que nous sommes dans un état sérieux ou non? Alors, n'a aucun de sous pour n'a pas maman. Chité, mon amboka. Chité, pour n'a pas. N'a habité. N'a habité ce qui est sujet ou n'a pas en ordre du jour, ma kambouya seni, je pense que l'obélango ou non. Depuis l'obé seni, a salu communiqué, mon récel, biso, ma lili nanzoto. Seni, l'obé qui a republié, ma liste provisoire, te, bureau de vote par bureau. N'aigne mon bec ou seni. A l'obé, il y a trouvé un mécanisme, mon sous. Moi, la question que je pose à la seni, sur base de quelles prérogatives Oyo, loi électorale et PCE pour que ça la Makambo à Salou. Sur base de quelles prérogatives la loi électorale est claire. Et Yemo Ropé n'a communiqué, a évoqué disposition. Maintenant, disposition au PCE Ndingisa, Atinda Batouana, Atangiangote. Je vous reviens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur base de quelles prérogatives? Nous sommes dans un état sérieux. Ça, c'est l'avenir de toute une nation. Motemata Goya à la Mouika a changé ma règle de jeu en plein match. Et ça, il m'a raté. Ceux qui sont comme mon nom, le Koleza et le Mouya Yamouké. Mais c'est tellement grave. On viole. On est en train de violer la loi électorale. On a deux mois. Il y a tenu, il y a l'élection. Voilà, vous êtes là, il y a opposition, il n'y a pas de majorité. Non, ça concerne tous les Congolais. Tout Congolais sérieux doit se poser des questions. Comment est-ce qu'un monsieur, parce que lui, il est président, il y a CENI, alors que non, il a changé ma disposition cautionnée, il va afficher. Et plus loin sous Jeune Afrique, lobby a dévoilé que dans mon pays jusqu'à présent, CENI n'a sali démenti dans mon pays. Plusieurs conseillers, il y a Denis Kadima, baza convoqué Bongo, serait convoqué dans ANER. Je pose la question sur l'indépendance, il y a ANER. Comment expliquer que ANER est convoqué par conseiller, il y a CENI? Sur base de quoi? Merci beaucoup. Je passe de quoi? Et puis nous sommes à deux mois des élections. Je vous reviens. Ce sont des points très sérieux qu'on doit débattre sur ces plateaux. Malheureusement, ceux qui ont sali le débat dans le plateau, et comme ma kamba moukwata, obimi boye, bakangi. Merci beaucoup, Ndeko Gramik le Grand, le processus électoral en cours. Et Zaki Moko a basé na bicha mokona lelo, 24 candidats pour na siège kakamoko, il y a magistrature suprême, topé présidence de la République. Est-ce que l'opposition est aucun en ordre dispersé na makambo ya baseni et zali ko comme un peu compliqué seigneur lobby so qui au moni kombo noté ko 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 voter était donc ko za moi compliqué ko ke na antenne wana déjà ba duplicata ça cause de problème est-ce que mon tonyo so ko za na temps ya rokende kuna alors que nous sommes à deux mois à deux élections de ko sara sombeto zongela yo sur la question électorale ozali ko soutenir bongo candidat président est-ce que opposition contre gestion il y a mon amboka Félix en tant que des alliés en ordre dispersé vous croyez que Motona Motonengazo Kende Bongo Boko
remporter l'élection, ensemble autour de quoi? Autour des idées, autour d'un programme, topé ezala autour de quoi? Vous pensez qu'il faut se mettre ensemble pour que Bokende elongo malobo mboka yo? Merci mingi mwana mboka Naomi kasi tika mukena ya nola na moi ba yiki ki moko na yo ki na plateau a ko utana ndeko na biso ya ya Union Sacrée azoku misaba wazalendo alobi ba félicité bango et tout siko bazo senga ete gouvernement asunga bango na misolo na yeba te contradiction oyo bato pouvoir bazalana président de la république alobaki boye ke yene nga zabongo akobunda te alingite ke makila peuple etanga ba memela ki biso EAC ba kumisa ki pe awa mingi na ba plateau ko ganga chaque jour diplomatie 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 maintenant ils ont changé de langage. Vous savez, hein, ce régime est en train de distraire la population congolaise d'une manière pas possible. Ce qui manque à ce régime, c'est qu'il y a le pouvoir, le courage de pouvoir dire que voilà, on n'a pas pu sécuriser le pays. On n'a pas pu sécuriser la population. Alors, d'ailleurs, moi, si j'étais à leur place, même n'a présenté candidature. Moi, ça m'étonne, oui. Ça m'étonne grave de voir le président de la République que j'aime beaucoup à qui vous déposez candidature na Epo Azala Réeli. La population, ça moi je le dis toujours et toujours, Madame Naomi. Ils ont l'argent, ils gèrent le pays. Ils peuvent acheter des gens à tout moment. Ça n'a rien à voir avec Kolobaki, la population bazako soutenir. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le président de la République, il fallait qu'il fanda atala baninga mususu ba ke ko déposer ba candidature na bango bazala voter comme président de la République po balongola mboka na état critique au président de la République atikeli biso lelo. Lelo tozolo bela makambo ya insécurité. Andeko auti koloba alobi candidat mususu akei ko ebisa bango makambo ya o ya libala na bambwa na banini ba terme bela utilisé a. Mais moi likambo genre, moi je regrette. Madame Naomi, est-ce que vous savez dans ces pays, tozana ministère à genre famille enfant. Eza ministère ya homosexuel et homosexualité. Moi, je pense que l'équipe de communication du président de la République, avant président, a qui est en train de place publique. Il faut avoir temps de faire. Parce que quand il dit genre, LGBT, ça n'a rien à voir avec. Parce que tout le ministère a genre famille enfant. Moi qui vous parle, à la province de Équateur, moi, maman était ministre provincial à genre famille enfant. Et ça qui ministère, il y a homosexualité. Donc, vous voyez, ça nous montre même le niveau de réflexion, il y a pouvoir en place. Ce qui veut dire que ils ne sont pas consentants pour pouvoir gérer les pays. Ils sont là, ils sont superficiels. Et moi, je ne pense pas qu'on doit laisser à ces gens de personnes-là de pouvoir chercher à briguer, en des mandats. Voilà. On doit donner le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Vous savez, moi, je pense que par rapport à ce que vous venez de dire de l'opposition, je pense que ce n'est pas encore le moment, l'opposition doit se réunir, histoire pour de pouvoir choisir un candidat qui sera un candidat de la République commun. Moi, je pense que ce n'est pas encore le moment. Et le pouvoir en place n'a pas le droit de pouvoir nous imposer ou nous dire à nous ce que nous devons faire. Pour le lien, stratégie parce que les lois ont continué dans quatre parmi la stratégie, alors qu'au départ, ce n'était pas ça. Donc, ils sont toujours là en train de se contredire entre eux. Deux fois. Donc, on a tout le temps pour nous de pouvoir se décider. Mais on va imposer bisoté. Et si aujourd'hui l'opposition doit se décider, il y a un candidat. Ça sera sur base de quoi? Ça sera sur base de la vision, oui. Et si cela va jouer pour l'intérêt de la population congolaise, moi je ne pense que ma bézalité. Mais ba imposer bisoté ba l'accès bisoté le ngéni à quoi ça l'est. Très bien. Bati que la bisotan bisoté auto ébini tout ça comme la bisoté. Ceux qui candidat auto kobimisa, si ça va venir bien sûr à présenter bisoté un projet, une vision qui sera bénéfique pour la population congolaise. Je ne pense pas que un opposant réfléchit à Koboya parce que, oh, nous sommes tous dans ces pays, et
Très bien. Épanouissement, émergence, ça peut, parce qu'on a tous vu que le président de la République n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Très bien, merci. Il a beaucoup failli sur tous les plans sécuritaires. Nyonso, le président de la République a commis na souka. Alors, bati que la bisotan, t'organiser ma pronomie. Totia moutou, aza na vision claire pour pouvoir gérer. Il faut rappeler que je soutenir de que Jean-Claude Bayendo aza candidat président. Rappelez ngai parti politique ADH. Alias démocrate. Très bien, humaniste. Merci beaucoup de Kosara. Moi, Namboka Nathanaël, il faut rappeler que aux alignes de quoi piste pour l'émergence aux soutenir candidature il y a une décosette qui coume il y a tout le temps à l'objet à zo senga mais ma force de changement bas sangala même discours n'a à mon amboka Denis Mukwege. Est-ce que il m'a déjà zo croire n'a été à y a qui pour à zéra que opposition sangala babi misa candidat commun pour ça la carrément force topé à zo canis à peine que il est paru qu'aucun des coubounde et tomba en haut et colonne à l'angle le long il faut le bas n'a dit qu'à mettre les candidats communs et opposition. Bon, avant de répondre à la question opposée, il y a quand bien même que la population congolaise attende que l'on puisse répondre à Yango, tout répondre à Yango. En tout cas, Mboka ou non répondre à Ndekoya Union Sacrée, que Mboka ou ils ont Mboka ou Balumumbo Abundela, Kino, Kasavubu et autres Kino Lelo. Alors, même par humanisme, patriotisme, il faut savoir pourquoi et qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Je vous signale que la détention illégale d'armes à feu est une infraction en République démocratique du Congo. Puis Salomon Escadela a été poursuivi pour Nayango. On ne va pas me contredire. Et ici, vous affirmez, par analogie, que la détention d'armes à feu d'une manière illégale est permise. C'est ce que vous nous dites. Parce qu'aujourd'hui, Baobana Est, Ouazalendo, autodéfense, ils ont des armes. Hein, que d'ailleurs, vous avez publié. Tant que vous avez une église, qui avez beaucoup d'armes, c'est ça qui bendisse. Mais aujourd'hui, imaginez les mêmes cas, la même situation. Awa, Nakikwiti, ça se passe. Qu'est-ce qu'on va dire? Ou bien Bimikarata na Tchango. Donc, l'État ne doit pas être absent. Nous ne faisons pas la politique pour plaire à quelqu'un. Non, non. Et je pense que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez soutenir votre candidat, mais pas en détruisant les valeurs de notre pays, ni les lois de notre pays. C'est vraiment important. Alors, maman Naomi, cette Kikuni Ponanini, à l'obi, à Bengi appelle la candidature commune. D'abord, j'aimerais dire ici, mon configuration, il y a opposition, il y a l'élo, et ça, n'est monté dans l'opposition en 2018. Opposition à l'élo, et ça, opposition, mon corps, oh, toujours c'est douté d'un diplôme à Moutouté. Ah bon? Vous êtes crédible que l'opposition en 2018 tout à fait. Quand on a expliqué, on a cité ça. Tout le monde doute de diplôme en Moutouté. Opposition à l'élo, candidat opposant, il y a opposition Moroté. Il y a un salaire à moi si je n'ai pas foutu. Il ne faut pas aller jusque-là quand même. Non, non. Je suis en train de parler de notre opposition. Non, parce que c'est un point de vue opposition. Moi, je n'ai pas une vie privée. Non, non. Je n'ai pas une opposition. Il y a une opposition Moroté. Bango, baza ba chômeur, moussala, bango ali bosso, yako dirige pays. Opposition en athée. Toi, l'opposition, moi, yana crème. Yana crème, yana intelligence, pe ba valeur. Ou yana la télé 2018. Toza, na messier, Martin Fayoulou, ou apitomoni, constance nae, politique. Intransigeance nae. Toza, na messier, Augustin Mata Tamponio, comme candidat président, automoni, rigueur Naina Moussala. Il est l'un des meilleurs premiers ministres que le Congo a eu. Tout ça, c'est un délice, une personne licide. Na Moussala Naï. Proposition de loi de part et autres. Tout ça, c'est un Franck Diongo, bravoure Naï. Automoni, tout ça, c'est un Mukwege, sa façon de savoir-faire. Bomoni comment est-ce qu'a porté Congo dans mon thème n'a pas dit qu'on en a 40 ans déjà tout ça na ndeko set qui kuni ko na ko le belaté parce que yenda za le roi joker tout ça na ndeko Moïse Katumbi oyo un bon manager, une personne avec plusieurs entreprises avec des qualités managériales. Regardez aujourd'hui l'étendard de notre pays ndenga tombola quand il était président et Mazembe. Donc ici nous avons une opposition, ils en a crème. Alors Monique, pourquoi pas mettre toutes ces valeurs ensemble
pour servir notre pays. Vous n'avez pas cité maman Marie-Josée, il faut qu'une brave dame. Bien sûr que oui. Son courage, nous encourageons, c'est là. Mais aussi, ce qui nous découvre, c'est qu'on a bien appelé, ils ont tes poids à faible. Et ça parce que tout ça a chance cette fois-ci. Il y a une opposition, mon corps, où ils ont une valeur pour les oppositions en 2018. Ba valeur en tout cas, c'est qu'on a il y a un pour les saluts de notre pays, pour que notre pays puisse avoir cette renaissance au vrai sens du mot, il faut tout ça, tout ça ensemble. Pour nous, tout ça ensemble, déjà, pour nous battre Ndeko Félix, pas battre Ngaï sur la postille, la présidence. Non, battre M. Félix Antoine. Oh là là, oh là là, t'es dans un Samuel Kambasolo. Moni, crédibilité qu'à l'élection. Crédibilité à l'élection, ce qui est Zali. Hein? Après, crédibilité à l'élection de Gézali, Ngaï n'a pas battu Ndeko Félix Tshisekedi. Président Naouf, en 2018, ça a quitté. Les lois, ils ont battu président Félix Tshisekedi. Donc, président Naouf, en 2018, coup, ça a quitté. Non, et puis, ce n'est le moment. C'est ce qu'il y avait deux missions. Première mission, c'est à dire éveiller la conscience de la jeunesse. Jeunesse et joie, les choses en main. Que la jeunesse puisse vivre, être les acteurs. Il y a politique actuelle. Et nous avons réussi ces paris. Aujourd'hui, nous avons des candidats députés jeunes, nous avons des candidats présidents jeunes, nous avons les jeunes qui postulent les paris d'autres. Parce que si Cléon en a tout, nous avons quitté. Alors, c'est ce qui coûte à l'ongoli équivoque. Et deuxièmement, aujourd'hui, laissez-moi finir, en tout cas, c'est une idée. C'est ce qui coûte à l'ongoli à matérialiser en haut. Donc, vous allez comprendre que les lobbies sont tous qui ont dit, peut-être aussi en haut, candidature commune en opposition. Okay. Nous allons faire de tout notre mieux. Nous allons réunir M. Mata Tamponio, M. Martin Fayoulou, M. Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Franck Diongo et Martin Fayoulou, voire même maman Marie-Josée Ifoukou. On va réunir. Autour de toi, autour de quoi? Des individus, de programmes, autour de quoi? Je vous ai bien parlé, il s'agit des profils ici. Okay. Ah, ils ont profil. Alors, je vous ai énuméré les profils de toutes ces personnes et j'ai ajouté Seth Kikuni comme joker. Pourquoi? Parce que Seth Kikuni est une personne plus proche de cette réalité. Alors, il est plus proche de cette réalité et il est l'image de cette nouvelle génération parce que la population congolaise est composée de 70% de la jeunesse. Tel rappelato n'aurait pas sa réponse. Merci beaucoup, Mwalamboka. J'ai fini en disant, ceci, que Bissot, Tozoluka, candidature communauté parce que cette Kikuni est faible ou quoi que ce soit, parce que vous savez très bien qu'il n'est pas faible. Parce que nous sommes déjà un réseau. Alors, la jeunesse est consciente et ils savent que cette Kikuni représente les mieux leurs intérêts. Est-ce qu'il est connu à l'intérieur du pays? Est-ce que votre parti politique est implanté? Nous sommes en Bandaka, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Matadi. Dans ma grande ville, Kaka. Écoute, quand je dis nous sommes en Bandaka, j'ai fait allusion à l'Équateur. Ok. Nous sommes en Bandaka, nous sommes jusqu'à Likasi. C'est-à-dire que, n'est-ce qu'il y a des locaux, pistes, ils ont réseau, pistes, ils en ont partité. Différents, ils ont raté, ils ont implanté parce que tous ont un drapeau partout. Ils ont parti, ils ont un drapeau partout, mais ils ont implanté. Ils ont implantation, ils ont idéologie. Très bien. Nous avons implanté notre idéologie dans la tête de toute la jeunesse. Et nous croyons aujourd'hui qu'avec cette Kikuni, il y aura un changement. Et d'ailleurs, j'ai garanti la population congolaise, pour obtenir candidature commune, contrairement, non. Union sacrée. Très bien. Merci beaucoup, Mwalamboka. Je vous reviens. Nassilisa, alors Nassilisa, contrairement à l'Union sacrée, Oyo, va imposer une candidature unique. Bakangisi ndeko kamere pour bosana accord ya Nairobi ba pesi ba poste pas ba tumso pour bosana poursuite ya candidature na élection mais biso na opposition toko luka autour de consensus ne toko vanda ne toko désigner pe toko zo yango d'une manière officielle contrairement na union sacrée ou ba imposer mutoya bingande candidat soko boyi OK. Merci beaucoup Mwalamboka. Il faut dire que bandeko bazaki na Lubumbashi pe ba panzana donc on espère que boyo cette fois-ci, Eric Bamanaito, sur la question sur le processus électoral, qu'est-ce qui se passe avec la CENI à Tosimobé, côté de Kaoti Kolobayango? Il fallait pas publier bureau de vote par bureau de vote, alors que l'opposition est Zongi, la Zongi, Bamisuba Zongi. Qu'est-ce qui se passe pour l'Union sur la Bantel, alors que Kuna et Kozana Batou et Bélé, à deux mois d'élection, qu'est-ce qui se passe réellement? Bino Bande quoi pouvoir, ils ont dérangé Binote? Naomi, il y a un bon à répondre à la question. Nayo qui ba inepsi et belé na mesa oyoyo. Je me suis même posé la question pourquoi tu m'avais appelé.
na plateau ceux qui oyeba qui cause qui n'a pas invité à vous. J'étais sur le point de prendre mes histoires et partir. Ce que je constate ici, je constate ce qu'on appelle la robotisation de l'intelligence juvénile par le soi-disant opposant congolais. Donc c'est comme une machine qui a reçu un programme, voulais-je dire, et qui l'exécute mot à mot. Je vais commencer par co-débatteur Nanga Oya Loboko et moi aussi. Il parle de Jean-Claude Bayende. Je suis une femme. Mon co-débattrice, je corrige. D'accord. Co-débattrice Nanga Oya Loboko et moi aussi. Yamoubali, pardon. Elle parle de Jean-Claude Bayende. Après Sanga Bilal, Jean-Claude Bayende, tant que vous êtes gouverneur dans la province Équateur, dans son ancienne configuration. Soit Koki Kolobawa, je sais qu'elle va balbutier ici. Alors je ne vais pas rentrer dans ces tergiversations. Je vais prendre l'autre co-débatteur qui se dit de cette Kikuni. Qui est cette Kikuni? Est-ce que parmi les politiciens congolais, on connaît cette Kikuni? Cette Kikuni, ce qu'il fait, c'est de vendre des habits, des costumes. Entrepreneur congolais, moi. C'est un vendeur des habits. Vous savez, le comble au Congo ici, c'est lorsque Soso, Azubagalo et Général, Alati Yamon Mapekanaye, Abandiko Kendeko Tambo et Aliboso Basoda, Azuluka Basoda Babetelaye, salut. Je pense que Esengeli Nabiso, Koyeba Nini, toujours que ça là, ou Nicolas à plateau, et qu'est-ce que nous devons transmettre comme information. Ndeko a inventé Matata, alobi Matata, meilleure bonne gouvernance. Papa, Bukangalo Zoibi Angote, Batrain, les 1000 écoles, les stades, Oibi Angote, donc c'est ça bonne gouvernance. Pourquoi aujourd'hui Matata est devant la cour constitutionnelle? Bako c'est lié. Vous voyez comment vous venez raconter vos vies, vos hérésies sur le plateau, alors que la population est en train de nous suivre. Tu viens, tu commences à raconter ta petite vie et la vie de cette Kikuni. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les médias en sens, mais le média peut aussi t'enterrer. Et l'autre gramique, je préfère ne pas trop le répondre. Je ne trouve même pas ce qu'il faut essayer de dire là-bas. Puisqu'il a fait ses analyses libres à lui. C'est ça la beauté même de la démocratie. Mais Nakolobanayo, la question Oyotuni sur les élections. Ta question était laquelle? Question Naizagini. Vous avez déjà oublié ma question. Oui. Ma question, c'est par rapport à l'affichage, il y a Kombo et le bureau de vote comme d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ma question, on a quoi Bissayobo. Je suis un ancien de la CENI. De 2011 à 2013, j'ai travaillé à la CENI. Non seulement comme un agent simple, j'étais formateur, mais Nassali aussi la République, non seulement pour Nassali Obabenga coopération en repérage, Nassali opération en cartographie, Nassali opération, il y a bureau de vote, il y a RFE, ce que nous appelons la révision du fichier électoral, où il y a carte d'électeur, Nassali vote, Nassali CELSER, où il y a publié, Nassali même BRTC, bureau de réception et de traitement des candidatures, Nassali vote et n'a publié le résultat. Nabantité, où il y a un bureau par bureau, la CENI a dit ceci, il y a peu, a publié qui l'ensemble y a fichier électoral. Il y a 49 millions, après avoir fait les nettoyages, ils ont chuté à 43 millions. Mais aujourd'hui, après cette opération, la CENI est en droit de publier, comment on appelle ça, y a fichier électoral devant le bureau. Où est le problème? Où est le problème? Quelle disposition il y a loi électorale Oyo Bango Oyo Seni a violé Oyo Metro? C'est bon. Oui, madame Naomi, donc Nazala qui cochuté na Malobanangaï, mais la cochuté rapidement na Malobami Balé, Moko Nakotanga, tweet Moko, tweet Yadeni Mukwege. A Komiboye, Alobi, la République démocratique du Congo ne doit jamais être une terre de discrimination. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres
ont aussi leur place dans le développement du pays. C'est contre nos valeurs. Là, donc, wana na lunga ko jo tan ebele te puisque makambo ya ebele ya kolba tweet ya mokwe gengo. Et na ko clôturer propos nanga pa na kolba que vous savez une chose Naomi, la sorcellerie est un état d'esprit. Je finis. Très bien, c'est la fin de l'émission de ce jour. Merci à Bande Kobaza qui a mis sur ces plateaux. On a connu quelques désagréments. Nao et Ali Bongo Lotili qui m'a pour comprendre que tout ça n'est Kinshasa, pour comprendre que ma remise à moi compliqué. Tout coup dans le lobby, on m'a invité, mais on se soumet toujours avec le même plaisir. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.